Salut tout le monde, c'est Max28, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Alien Isolation encore parce que voilà j'ai fini le jeu mais il y a des DLC, je compte les faire et donc bon pour le premier épisode, enfin je sais pas si je vais le finir parce que j'ai vu qu'il durait qu'une demi-heure si on le faisait bien, donc l'équipage peut être sacrifié. J'utilise la webcam pour filmer parce que la GoPro n'a plus assez de batterie tout ça, donc vous allez me voir de face. Voilà. Je vais prendre un intermédiaire, voilà. Si je réussis pas à le finir en une demi-heure, je ferai une deuxième vidéo pour le terminer après. Je pense. Et donc là, on va rejouer une scène d'un film si alien. Lui, mais c'était un monstre énorme. Et il l'a emmené dans la gaine d'aération ? Oui, il a disparu dans une des bouches d'aération. Ça, c'est certain. Je suis sûr qu'il utilise les conduits d'air pour se déplacer dans le vaisseau. Ces gaines d'aération peuvent tourner à notre avantage. On peut très facilement pousser le monstre dans le sas d'aération et le balancer dans l'espace. Qui va aller bloquer l'ouverture ? Donc vous voyez, c'est Ellen. Touche de déplacement. Choisir personnage. Oh, on peut choisir notre personnage ! Mon dieu ! Bon, je prends elle parce que c'est l'héroïne du film et tout ça, donc voilà. Ripley, tu le diriges vers la gaine d'aération. C'est la... Je crois que c'est la mère de Ripley. Ensuite, H ouvrira le sas. Tu verrouilles les trappes de maintenance où Parker, Lambert et moi, on suivra sa route. Tout le monde a compris ? Alors, augmenter mon son. Voilà. Non, même pas, je baisse le son. Ah, voilà, c'est bon, je vois mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu tousses ? Bon. Tu éteins la musique directe, hein, j'ai pas envie de me mettre dans l'ambiance. du coup c'est pareil, on a la map et tout ça, donc il faut aller chercher plein de choses. Bonjour. Lance-flamme. Yeah, dès le début. Il manquait un truc là, non? Bon, il manquait une animation. J'ai envie de dire, oh, c'est pas grave. Sceller la trappe. Du coup, on peut courir vu que je pense qu'il n'y a rien. Ah si, il n'y a rien. Il peut y avoir l'alien vu que dans le film, il y était. Faut faire très attention. Je vérifie si c'est par là, oui. Ah bah voilà. Oh. D'accord, bah ça peut être nos alliés. Hein. Fumigène. D'accord. Faut que j'utilise beaucoup plus les fumigènes. Medikit, c'est bien. Vous voyez, là, il y a un petit face trigger. Optionnel. Faut aller jusqu'à là-bas, ok. Donc on a le détecteur, mais sur je ne sais pas quoi. Plusieurs portes ont été fermées par le Merde. Système de sécurité. Je voulais pas te parler. On va devoir rassembler du matériel en chemin. Maman n'est pas très coopérative dans le cas présent. D'accord. Je descendrai à ton échelle plus tard parce que là il y a encore un truc à prendre là-bas. Il y en a en 10 minutes, ils arrivent à le finir en rushant, mais bon, je vais pas le rusher. Fumigène encore. Bon, j'avais déjà ramassé du fumigène. Là, il y a un petit truc à lire. Le trouveau a atterri sur la surface du planétoïde d'où provient un signal sonore. Dallas, Ken et Lambert se préparent à approcher la balise à pied. La surface est composée de basalte, de traces de rhyolite. Juste, je regarde. Ok, ok. De couche de lave. L'atmosphère comporte de l'azote inerte, un peu d'oxygène et de forts taux de CO2 libre. Plusieurs portes ont été fermées. Mon dieu, système de sécurité. Tu vas donc devoir rassembler du matériel en chemin. Maman n'est pas très coopérative dans le cas présent. Bien sûr. Sceller la trappe. Alors, c'est par là, on va direct aller à l'objectif. Quoique, qu'est-ce qui. C'est. Waouh! La map est déjà toute vue. Sceller la trappe. C'est de la trappe. Ok, il y a deux fois la trappe. Du coup, on peut voir par où aller. D'accord. Wow, il est déjà là, l'alien. Je ne sais pas trop par où, mais... On part là-bas, on dirait. Donc, je vais d'abord regarder. On pourrait passer par là, puis aller par là, ouais. Wow, la porte là-bas, c'est ouverte.
Ok. Bon, je m'éclaire comme ça. Chier. Y'a l'alien. Il était juste là. Non, je suis pas dans un conduit. Waouh, putain. Waouh. Je sais pas s'il peut nous tuer dans ces conduits-là. Parce que pendant le live, il nous avait tué une fois, mais... Oh putain! Oh bon, bah oui, il peut nous tuer. Ok, je comprends. Je sais pas comment il m'a trouvé, mais... Ouais. On retourne là-bas. Pourquoi ça fait du bruit? D'accord, c'est très bizarre. C'est vide. C'est vide tout. Donc la trappe était là. Oh, il y a quelqu'un. Fumigène. Allez hop. Doucement. Hein. Hop. J'ai pas envie de me faire avoir là. Je reste dans le coin lumineux. J'aurais pu utiliser un lance-flamme pour le faire partir. Quoique il est rentré dans le conduit, alors je sais pas s'il aurait pu partir. Ok, maintenant bah il peut pas partir. Voilà. par contre, voilà quoi. Pourquoi dans le jeu normal il rentre pas dans les conduits? Là il rentre. Alors je veux pas mourir trop de fois, donc je vais baisser la difficulté, mais bon c'est pas grave. Je le referai moi hein, de mon côté pour que ça soit un peu plus dur. Mais personnellement voilà, je vais pour la vidéo en tout cas, je vais déjà commencer par faire du plus facile. Je sais pas pourquoi ça fait autant de bruit là. Bon, c'est pas grave. C'est par où maintenant? Ok, maintenant il faut aller de l'autre côté. Ok. J'avance. Vous voyez que l'alien est déjà moins présent que tout à l'heure. Je reste comme ça parce que comme je vois s'il y a du mouvement. Non, je veux pas utiliser ça. Ça c'est déjà ouvert. Wow. Chier. C'est plutôt du suicide. C'est le seul plan qu'on a pour l'instant, Parker. Je vais attendre. Hein. Alors, si t'as une meilleure idée, j'aimerais bien l'entendre. Ouais. Parce que là, l'alien est juste devant, en fait. Vite. Je me cache ici. Juste le temps pour qu'il s'éloigne un peu. Non, oui. Je peux pas ouvrir mon détecteur quand je suis dedans. Du coup, je sais pas s'il part ou pas. Pourquoi d'un coup la musique s'affole?
Bon, y a rien. Je sors. Bon, il est pas très loin, hein, vraiment. Ça avance, hein. D'accord, bon. Je vais tenter. Yeah, let's go. Là, la baie des trains d'atterrissage. Alors, où est-ce que c'est? D'accord, il faut aller, faut retourner au milieu pour aller ici. Chier, wow. Il était à côté. D'accord. Allez, je vais tenter de passer. Hop, 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 hop. Tu te calmes? Alors, est-ce que je peux passer par ici? Si je viens là, je peux rentrer, puis aller par là-bas. Ouais, donc je vais passer par la droite parce que là, il est là-bas. Ok. Il va se calmer de suite. Il y a des choses à prendre. D'accord. C'est par... Par où? Par où? Par là, ici. Très bien. Nous sommes arrivés à la bonne porte. Yeah, il est mort. Attendez, je regarde. D'accord, faut aller là-haut. Bah ok. Il arrive, alors... je me barre par ici, bah en fait je me rapproche de lui. D'accord. Très bien. D'accord, il détecte plus rien, mais c'est pas... C'est, ça peut être parce qu'il bouge plus. Ok. Alors. Ok, c'est, je suis dans la bonne salle. Ripley, ça fait plaisir de te voir. Normalement, ouais. C'était mon boulot d'aller là-dedans. J'ai fait mon choix, Dallas. Ok. Je suis arrivé jusqu'au pont arrière. Bien. Trouve le système de gaine d'aération principale et conduis la créature au pont en dessous. Je peux me connecter au système du SAS depuis mon terminal. Ok. Donc, faut retourner au centre. C'est lui, l'alien. Là, il est à droite. Non, ça va, il est parti. On peut y aller en espérant qu'il ne tue pas. Parce que je crois qu'il n'y a pas de sauvegarde en plus. Hein. Donc, si. Ah, il y a des petits points de contrôle, mais c'est pas super. Voilà. Je suis arrivé à la première jonction. Souhaitez-moi bonne chance. Mais. Allez, on peut y arriver. Attendez, je regarde par où il faut aller. Oh, ok, c'est un petit labyrinthe. Faut que j'aille à... Ok. Lambert, réponds-moi. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant. Droit. Vite, en arrière. Non, 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 pas par là. Ah, merde. C'est pas grave. À droite. Ok. Et à droite. Fou.
Nope. Waouh. T'es sérieux? Je suis tombé sur l'alien. Oh. Ok. Bon bah c'est bon. Fais gaffe, il est tout proche. Oh putain, il faut aller là de derrière. Comment on y accède? Par ici sûrement. Oh, j'aurais pu venir par là. Non, c'était fermé là. Oui, c'était fermé. Je suis tombé sur l'alien pendant qu'il était en train de faire l'animation pour monter en fait. Et du coup, bah il m'a pas vu. On en profite. Allez, c'est ici. Hop. Trouve-toi une cachette. Ouais. Je me suis trouvé une cachette. Mais voilà, quoi. Il est allé deux fois dans le sas au tout début et puis après il avait plus envie. Donc en fait il faudrait pas reculer dès le début. Ce qu'il faudrait c'est rester devant et dès qu'il fait l'animation couper son souffle et reculer. Bah d'ailleurs il est là, bah il s'est barré, d'accord. Il cherche mal hein. Ah là là. Voilà, je choisis de faire les DLC avant de commencer quelque chose d'autre, comme ça on aura fait le jeu complet. Enfin j'ai pas tous les DLC, j'en ai que deux. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer. Oh putain, il y a un truc qui est passé devant moi. Voilà, on est heureux au point où il faut l'attendre. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Non, mais non! Mais il bougeait pas là, qu'est-ce qu'il faisait? Mais non! Et je voulais pas lui tirer dessus parce que sinon, voilà, il allait partir et c'est pas ce que je veux. Mais sérieux quoi, il aurait pu attendre un petit peu quoi avant de venir. Bon. Si, ouais, je vous fais une ellipse le temps qu'il rentre dans le sas au moins et que je réussisse à appuyer sur le bouton. Ok, je vous retrouve. Ah, vite ferme. Oh, ah. Ça m'a tué? Ou c'est fait exprès? Je sais pas. Non, c'est fait exprès. Je me demandais aussi. Parce qu'il a réussi à sortir du coup. Mais... Il y a dû y avoir une erreur dans le système. Nous ne pouvions rien y faire. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ramener sur Terre forme vivante. Priorité numéro 1. Mec, il m'aide même pas, tu sais, il se barrait. Votre priorité annulée. Impossible. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire. Un organisme parfait. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. J'admire sa pureté. Un survivant. Qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. D'accord. Une dernière chose. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez toute ma sympathie. D'accord. C'est fini? J'ai pas, je vais attendre la fin de... Bah d'accord, c'est fini. Bon bah j'ai fait un petit épisode de 25 minutes je crois. Donc j'espère qu'il vous a plu, mettez un petit j'aime et un commentaire. Et donc nous on se retrouve pour le deuxième DLC donc. Ou pour une prochaine vidéo qui s'appelle Dernière Survivante. Allez salut.